Mollat, archives sonores. Bien, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec une légère avance. C'est pour rattraper ces nombreuses fois où j'étais en retard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Inutile de vous dire qu'on est heureux, ça c'est la définition, personne ne nous oblige à inviter qui que ce soit, donc en général quand on reçoit les gens on est plutôt heureux de le faire, mais on est singulièrement heureux, et là dans ma bouche c'est un pluriel de majesté, de recevoir Jean Echenoz. Parce que c'est un écrivain selon notre cœur et selon notre tête de lecteur. Jean Echenoz a publié une douzaine, je dirais, vous voyez, j'aurais dû préparer, une douzaine de romans. Une dizaine, ouais. Une dizaine de romans, dont le dernier en date, et c'est à dessein que j'emploie pour ce livre le terme de roman, on y reviendra peut-être, intitulé Ravel, juste Ravel, est paru au début de cette année, au mois de janvier dernier. Jean Echenoz, en vous remerciant, un, d'être des nôtres, deux, de vous plier à l'exercice pas facile de la présentation devant le public. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que vous préfériez faire. Et de toute façon, je me méfierais d'un écrivain dont ce soit l'occupation favorite. Je pense que ce n'est pas nécessairement totalement synchrone avec l'activité solitaire d'écrivain. En vous remerciant, et pour commencer cet entretien, je vous propose que nous en restions sur votre actualité. Vous avez reçu hier, dans les salons du Conseil régional d'Aquitaine, le prix François Mauriac. Ce qui était une heureuse surprise pour ceux qui avaient suivi l'actualité de ce prix, parce que c'est la première fois simplement qu'un romancier, pur, si tant est que la pureté ait quoi que ce soit à voir avec le roman, qu'un pur romancier se voit remettre cette récompense. Jusqu'à maintenant, elle allait plutôt à des gens dont l'essai était plus prépondérant par rapport à la fiction. Alors je voudrais vous poser une question que j'ai eu l'occasion de vous poser pour notre cher quotidien régional bien-aimé. C'est d'abord de savoir, quand on vous dit prix François Mauriac, qu'est-ce qu'évoque pour vous ce nom de François Mauriac? Et je voudrais vous la reposer ce soir, sachant que depuis 2 jours que vous êtes en notaire, peut-être cela évoque-t-il quelque chose désormais de plus précis, puisque je crois que vous avez eu l'occasion de visiter l'excellent centre François Mauriac de Malagar, dont je salue le directeur présent dans la salle et son assistante Julie Chabrier, et le futur chalet de Saint-Symphorien qui fera partie d'un vaste ensemble François Mauriac. Donc est-ce que votre visite de Malagar vous a amené à changer dans votre réponse sur ce qu'évoque désormais pour vous la figure de François Mauriac? Non. Alors donc, qu'est-ce que cela évoque? Non, je fais ça parce que camarade parlait de Christian Gailly l'autre jour, qui disait qu'il ne répondait aux questions que par oui ou par non. Et c'est en hommage à Christian Gailly que je commence comme ça. Non, non, en vérité, non. Non, c'est une maison beaucoup moins solennelle et catholique que je ne l'imaginais, mais pas mal catholique quand même, et plus familiale que solennelle. Mais enfin, ce sont des banalités. C'est un très bel endroit qui jouit de plusieurs vues imprenables. Non, c'est un très bel endroit. J'ai peut-être été plus sensible au deuxième endroit que nous avons vu. Le chalet de Saint-Symphorien. Oui, oui, oui. Mais bon, mais ça, ce sont des considérations sans intérêt sur mes impressions sur les maisons. Les maisons qui peuvent être aussi bien des petits déclics de fiction aussi. Il est possible que cette maison ait des effets retard. Mais en vérité, non. Puis je voudrais pas être hypocrite. Je commence à être un peu vieux et j'ai systématiquement raté toutes les occasions qui m'ont été données de lire François Mauriac. Nul doute que celle-ci sera la bonne. Et d'ailleurs, on m'a offert hier, très très aimablement, les 4 volumes dans la Pléiade des œuvres romanesques et théâtrales de François Mauriac. J'ai du boulot. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Vous venez de dire de Malagar que peut-être à mon avis plus courtoisement qu'autre chose, ce pourrait être un déclic de fiction. Et c'est une chose que vous évoquez souvent, et d'ailleurs il n'est pas besoin que vous l'évoquiez, il suffit de vous lire pour savoir combien chez vous se dessine au fil des livres une espèce de topographie, plus que de géographie d'ailleurs, de topographie sentimentale, et l'importance des lieux traités moins comme des décors que comme d'authentiques personnages et vecteurs de fiction, comme vous le dites. On y reviendra d'ailleurs, un certain nombre de ces lieux sont parfois proches d'ici, puisque vous avez eu l'occasion de faire évoluer dans tel ou tel de vos livres vos personnages dans le Sud-Ouest et singulièrement dans le Pays Basque. Mais sans rentrer dans ce détail précisément, j'aimerais que vous nous expliquiez la manière dont, au fil des livres, votre système de géographie sentimentale s'est mis en place. Et si tant est que vous soyez d'accord d'ailleurs avec cette expression. Non, c'était pas de la courtoisie tout à l'heure, parce qu'il est vrai que cette maison a une force, les maisons, mais surtout la première, dans laquelle j'ai circulé quand même à un moment. C'est une maison qui a une force et qui est une force qui peut, et c'était pas du tout un effet je sais pas par opportunisme, mais c'est un lieu qui doit pouvoir déclencher des images et déclencher des idées, peut-être, sait-on jamais, déclencher des fictions. Mais outre cette expérience qui date de ce matin, il est vrai que il est souvent arrivé que certains lieux, que certaines villes, que certains quartiers, que certains paysages, que certaines représentations picturales de paysages, picturales ou photographiques, donnent naissance à des désirs de récit. Alors pourquoi, je ne pourrais pas le dire, parce qu'on peut traverser des lieux extrêmement qui ont une apparence et une réalité très 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 forte, et apparemment qui peuvent faire jaillir comme ça des intrigues, des personnages, des histoires, et qui ne donnent rien, alors qu'il peut y avoir des lieux tout à fait secondaires et qui sont mystérieusement fertiles. Moi, je ne suis pas du tout originaire du Sud-Ouest, je suis originaire du Sud-Est. Je suis arrivé à Paris, j'avais 22 ans et j'avais le désir très ancien d'écrire et écrire de la fiction. Et je crois que c'était peut-être parce que j'étais justement un gentil garçon qui arrivait de mon bled dans le sud. Paris a eu un effet très très effrayant sur moi quand j'y suis arrivé. Puis je crois que cette ville a été à l'origine d'un mouvement, enfin a facilité, concrétisé, poussé un mouvement qui était le mien d'écrire quelque chose de l'ordre du romanesque, parce que il m'a semblé à l'époque, il peut me sembler toujours que certains lieux de cette ville, pas forcément les plus spectaculaires, étaient pour des raisons intimes des moteurs de fiction. Mais ça s'explique pas. Ça ne s'explique pas, parce que ça s'explique pas plus que les sentiments qu'on peut avoir pour quelqu'un, que ce soit des sentiments d'amour ou d'antipathie spontanée. C'est que... on peut avoir l'impression, en arrivant quelque part, de se dire, ben voilà, tiens, ça marche. Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça peut marcher. Bon. Ça peut marcher dans des endroits très ingrats, hein. Je veux dire que j'ai eu ce sentiment dans un endroit aussi, apparemment aussi antipathique que le pavillon des abats au marché d'intérêt général de Rungis, hein, d'intérêt national, pardon. Au marché international, c'est un endroit qui a priori n'aspire pas l'affection. Et allez savoir pourquoi, là, on se dit quelque chose peut se passer. Ça peut se... Mais c'est pas un endroit neutre, c'est un endroit violent. Les abats, bon. Et il y a des endroits tout à fait aussi insignifiants, un coin de rue qui peut déclencher quelque chose. Mais ça, je pourrais en parler à l'infini, ça serait mortellement ennuyeux parce que je peux rien dire. Ce qu'il est vrai, c'est que les lieux... Enfin, ça, c'est un machin sur lequel j'ai un peu tendance à radoter, mais sont comme vous le disiez, aussi importants que les personnages, et il me semble qu'ils en sont eux-mêmes. Et voilà. Enfin, je réponds à cette question en tournant en rond. Alors on va périphraser un petit peu plus, si vous m'autorisez ce néologisme. On a bien commencé. Mais en disséquant ce pauvre Ravel, qui est donc votre dernier ouvrage. Par exemple, et je ne sais pas si c'est chaque fois pareil, la naissance... Comment ça naît un livre? Ça peut naître, on a cru comprendre en vous écoutant, d'un paysage... Enfin, quand je dis d'un paysage, c'est au sens le plus large du terme. Le mine de Rungis, vous parliez plus près de nous de passage de la frontière à Béobi, mais comment ça naît un livre? Et là, en l'occurrence, Ravel, c'est né comment? Est-ce qu'il y a une espèce de scène initiale, comme Claudel recevant la grâce à Notre-Dame, qui fait qu'il y a quelque chose qui naît et qui va s'avérer être un livre? C'est-à-dire, si je raconte comment c'est né, ce sera d'écrire de la cuisine interne, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit très passionnante. D'accord, sans entrer dans le détail, mais est-ce que cette notion de scène initiale a un sens ou pas du tout? C'est plus compliqué et plus diffus. Non, à ce moment-là, la scène initiale, ça serait une scène de auditive qui remonterait à l'âge, pour moi, de... disons de 7-8 ans, où chez mes parents, j'entends la musique de Ravel qu'ils écoutaient et qui, pour moi, je ne peux pas dire une révélation, parce que ce sont des mots un peu pompeux, mais une espèce de confrontation à quelque chose de totalement étranger et totalement familier. Ce qui se passe quand il se passe quelque chose avec la musique et avec d'autres arts, c'est quand on est en présence d'un objet incongru et familier à la fois, ce qui veut dire en substance qu'on s'approprie, c'est-à-dire on se dit bon tiens ça maintenant c'est à moi. C'est arrivé à cette époque avec Ravel et avec Stravinsky aussi. Par la suite c'est arrivé quelques années plus tard avec Thelonious Monk, mais bon. Donc on pourrait dire que ça commence par la découverte d'une partie de son œuvre. Et puis je crois que c'est un faisceau de choses, le fait que les circonstances de la vie font que, toujours avec mes parents, qui décidément ne me quittent pas sur cette affaire, heureusement, je visite une première fois la maison de Ravel, mais c'était une visite comme ça, parce qu'on était dans le coin, ou parce qu'on avait envie, je sais plus, c'était il y a plusieurs années. J'avais pas du tout l'idée que j'écrirais sur ce personnage. Et puis j'ai continué à l'écouter, et puis sa figure physique, son visage, son corps, l'image de son corps, l'image photographique de son corps m'ont troublé. Je dirais pas qu'elles m'ont troublé érotiquement, mais elles m'ont troublé dans la bizarrerie. Et au fond dans la bizarrerie de cette coexistence entre cette musique, ce visage et ce corps. Plus tard, cette maison. Et puis, les choses sont allées de telle sorte que j'ai commencé à m'intéresser à lui, alors qu'il n'était au départ qu'un personnage annexe dans un projet. Puis, il a été un des deux personnages dans un autre projet qui était celui-là avec Valérie Larbeau. Et puis tout ça m'a poussé à m'intéresser à lui et à essayer d'épuiser systématiquement toutes les lectures que je pouvais faire et tous les regards que je pouvais avoir sur son image, sur sa figure, etc. Et il a pris toute la place. Il a pris toute la place parce que pour plusieurs raisons. Parce qu'il est un personnage exposé, compositeur, se donne à voir, il se donne à entendre. Il est un personnage mystérieux, pour des raisons que je n'ai pas envie de développer, mais si on s'intéresse à lui, il est vraiment un personnage mystérieux. parce que plein de contradictions, plein de masques, etc. Il est un personnage tragique, parce que la partie heureuse de sa vie est une existence dramatique, et que la partie malheureuse des dernières années de sa vie, c'est-à-dire sa déchéance et sa mort, sont une véritable tragédie. Bon. Et il est un personnage sans psychologie hystérique, sans psychologie démonstrative, sans affect exposé, sans... Enfin bref, sans tout ce que je déteste. Et tout ce avec quoi j'ai essayé de travailler sur des personnages fictifs dans mes romans précédents. Et donc, c'est installé l'idée... D'ailleurs, non, c'est pas du tout installer l'idée, c'est mis en mouvement quelque chose qui est devenu l'idée que j'allais traiter ce personnage réel comme un personnage de fiction, comme je pouvais le faire dans les livres précédents. Il s'y prêtait encore une fois par son mystère, par sa dimension tragique et par son masque, ou plutôt tous ses masques, voilà, et ses contradictions et tout ça. Ce qui fait que, voilà, ce qui fait que ça a été... moi, ça me paraissait simple au départ. Au fond, c'était plus simple l'idée de travailler sur un personnage réel. On sait un peu comment il a vécu, on sait un peu comment il est mort, on a l'œuvre, on a des images. Au fond, c'est peut-être plus simple à première vue qu'un personnage forgé de toutes pièces. J'ai bien dû constater que rien n'était plus faux, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué justement de travailler avec quelqu'un de vrai qu'avec quelqu'un de faux, parce qu'il faut le respecter, parce que le jeu avec sa vie est un jeu dangereux pour soi, et parce qu'on se trouve sur une espèce de... En travaillant sur un personnage réel, on se trouve sur comme une espèce de ligne de crête, de part et d'autre de laquelle on risque toujours de se casser la figure, où il y a une espèce de balancier qu'il faut tenir entre suivre le réel et se permettre, ça et là, d'y introduire de la fiction. Alors c'est compliqué parce qu'on ne peut pas introduire trop de fiction, parce que ça serait déséquilibrer l'affaire, et on ne peut pas non plus introduire trop de réel, parce que ça serait déséquilibré autrement. Ça veut dire qu'il faut sacrifier des très jolies idées qu'on croit avoir de fiction sur le personnage, et puis il faut sacrifier de très belles scènes dont on a pris connaissance sur le personnage réel, parce que l'une comme l'autre, différemment, gauchiste ou droitiste, enfin, déséquilibre totalement ce fil-là. Voilà, bon, ben ça c'était, je ne peux pas généraliser, ça c'était ce qui s'est passé pour ce livre. Je ne sais pas si je décide d'écrire la vie de Roger Lanzac, par exemple, je ne sais pas si j'aurais le même problème. Ça m'est venu spontanément, je sais pas pourquoi je pense à Roger Lanzac. Non, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est une idée extrêmement séduisante, a priori. Mais j'y penserai. Enfin, j'espère que tout le monde se souvient ici de Roger Lanzac. Tout le monde se souvient de La Piste aux étoiles et de son animateur aux cheveux argentés. Le grand sympathique Roger Lanzac. Est-ce qu'il y a un moment, on a bien compris que c'était difficile, on a compris cette histoire de genèse et tout ça, mais est-ce qu'il y a un moment dans le livre où on se dit, et là je fais plus allusion peut-être à des questions de rythme, sans rentrer dans des cuisines internes, qui effectivement sont un peu difficiles, enfin qui relèvent des secrets de fabrication, mais est-ce que à l'écriture il y a un moment où on se dit voilà, c'est difficile, c'est compliqué, mais je tiens quelque chose, je tiens mon livre quoi finalement. C'est encore de la cuisine interne, mais ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, j'aime pas du tout ce genre de considération métaphysico-grotesque, mais en fait, c'est pas je tiens mon livre, c'est qu'à un moment, le livre me tenait. Ça, je m'en suis rendu compte, parce que l'entreprise était curieusement si difficile, que ça, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, c'est que ce livre, je l'ai laissé tomber de manière définitive 2 fois. Définitive, ça veut dire que je le rangeais dans un machin, que je rangeais quelque chose, puis dans une caisse, que je fermais à clé, que j'avalais la clé, à la limite. Bon. Et parce que je me suis dit, c'est beaucoup trop difficile. C'est beaucoup trop difficile pour moi parce que justement, ce fil, j'arrive pas à le tenir. Cette crête, j'arrive pas à m'y maintenir. Je saurais pas faire. Et en vérité, il a dû me tenir suffisamment pour que chaque fois, en traînant les pieds, j'y retourne, et que j'y retourne donc à deux reprises en pensant que les deux fois c'était véritablement cuit, et puis que je m'y accroche jusqu'à avoir le sentiment que je l'avais terminé. Avec ce doute supplémentaire, c'est qu'une fois qu'il était terminé, je n'étais pas du tout, puis j'en suis pas. On n'est jamais sûr de son coup. Mais je veux dire, je savais pas du tout ce que c'était que cet objet qui, pour moi, était vraiment, par rapport au roman que j'avais écrit auparavant, était un objet un peu neuf. J'étais pas du tout sûr que. J'étais sincèrement, c'est pas un effet de manche, mais j'étais pas du tout sûr que mon éditeur, les éditions de Minuit, mon éditrice à présent, en voudrait. Je savais pas. Je savais pas. Ça j'ai le souvenir précis que je savais pas, au point que je suis pas rentré chez moi pour attendre son coup de fil, quoi. Voilà. J'ai trouvé. Gageons qu'elle a dû le passer depuis. Justement, puisque vous parlez de votre éditrice, Irène Lindon, on a beaucoup dit que c'était votre premier livre consacré à un personnage réel. Enfin, d'ailleurs, c'est une présentation des choses complètement grotesques, parce que c'est pas une biographie, fût-elle romanesque. C'est bel et bien un roman. Je pense que c'est marqué sur la couverture comme tel, oui. Oui, mais ça, c'est parce que les éditions de Minuit l'ont décidé. Mais ils n'ont pas eu tort. Ouais. On va en parler. Alors, je fais quand même un petit détour pour dire qu'il y a un de vos livres qui est évidemment dans sa nature même tout à fait différent, qui était déjà consacré à un personnage réel, qui était Jérôme Lindon, qui est un court livre que vous avez publié peu de temps après le décès de votre éditeur historique, Jérôme Lindon, pas tout à fait fondateur, mais enfin directeur des éditions de Minuit depuis un certain temps. Est-ce que, ça je pense qu'on l'a peu relevé, enfin il me semble, est-ce que l'écriture de ce Jérôme Lindon a eu quelque chose à voir avec l'écriture de Ravel, ou vraiment rien? Ah non, absolument rien. Rien. Non, absolument rien. Absolument rien, parce qu'en fait, d'abord, c'était pas un texte qui était destiné à la publication. Au bout d'un moment, avec Irène Lindon, bref, il n'était pas destiné à la publication. C'était un texte que j'ai écrit assez vite, parce que tout simplement, quand j'ai appris la mort de cet homme qui était mon premier, mon seul éditeur depuis 1979. Il s'était créé quand même des liens d'amitié. Pourtant, Dieu sait si c'était il faut le dire aussi, Dieu sait si c'était un emmerdeur, mais c'était une figure tout à fait unique. Et c'était un homme que j'aimais beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai appris sa mort, j'ai eu envie de, pour éviter que l'oubli ronge un peu, comme il a tendance à tout ronger, j'ai eu juste envie de noter un certain nombre de choses, de souvenirs que j'avais de lui. Et ça a été... J'ai fait une liste, hein, c'était très simple. C'était le soir même, j'ai fait une liste sur un bout de papier, je sais pas, d'une quinzaine ou d'une vingtaine de scènes, et puis après je les ai écrites. C'est allé assez vite. Après, il fallait trouver un peu la façon de le faire, mais la question... C'était un peu une... Je sais pas, je voudrais pas jouer du violon en disant que c'était une lettre d'adieu, pas du tout. C'était entre le mémorial et le mémorandum, quoi. Je sais pas comment dire. C'était garder des souvenirs, voilà. C'était garder des souvenirs parce que, parce que c'est au fond grâce à lui que j'ai publié mon premier livre et donc les suivants. Et puis voilà, parce que c'était une figure de l'édition assez singulière d'une part, et puis c'était une figure affective assez forte d'autre part. Mais ce sont deux livres qui n'ont absolument rien à voir. D'accord, dont acte. Revenons à Ravel, si vous le voulez bien. Roman, il y a marqué sur la couverture, j'y reviens, mais... vous avez déclaré ici ou là, plutôt ici d'ailleurs, parce que c'était pour Sud-Ouest, que vous n'envisagiez pas dans l'immédiat de revenir à une forme romanesque éprouvée. J'entends par là de l'invention ex nihilo de personnages, que Ravel avait marqué en ce sens une inflexion, peut-être temporaire, on verra, de votre travail. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu mieux ça. Et cette notion de, non pas encore une fois de biographie romanesque, mais de roman biographique peut-être plus justement que serait Maurice Ravel. Et en quoi il a ouvert des portes ? De toute façon, dans les romans, rien n'est ex nihilo. Hein. Oui. Tous les romans sont des... Enfin, j'ai un peu tendance à abuser de cette formule, parce qu'elle est fausse, mais enfin, j'ai un peu tendance à dire que tous les romans sont autobiographiques, on détruit l'autobiographie, on la remonte autrement. C'est un peu parodique, mais toutes les fictions qu'on peut construire viennent de l'expérience sensible, hein, viennent de ce qu'on rencontre, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on sent, de ce qu'on peut lire, etc. Mais ce sont des personnages de fiction. Maintenant, l'histoire, c'est peut-être que la forme roman est pour moi une des plus belles choses qui soit au monde. Mais la façon dont j'ai essayé de construire les miens pendant quelques années, enfin pendant, oui, ouais. Je suis en train de chercher pendant plus de 20 ans. Je crois que c'est quelque chose qui, pour le moment, j'ai envie de suspendre un peu parce que comme je vous le disais, cher ami, parce que j'ai du mal à nommer les personnages maintenant. Et puis j'ai de plus en plus tendance à m'intéresser à des vies réelles qui ne sont pas forcément des vies héroïques comme celle de Maurice Ravel, hein, qui peuvent être des vies... Enfin, si, les vies héroïques, c'est pas mal quand même. Mais pas forcément des vies artistiques, en tout cas. Mais des vies réelles dont j'aimerais voir si je peux me les approprier comme je m'appropriais des vies... plus ou moins rêvé des personnages fictifs que j'utilisais. Mais là, avec l'histoire, avec l'écriture de ce petit livre, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué, et cette complication m'intéresse assez, parce que c'est vraiment une complication tout à fait différente de celle de la fiction, où d'une certaine manière, on n'est jamais libre, mais on est quand même... Oui, on peut faire un peu ce qu'on veut. Enfin, on fait jamais ce qu'on veut, mais il y a cette contrainte-là de la réalité d'un homme ou d'une femme qui n'existe pas. On peut jouer autrement. Et je sais pas, la question en ce moment que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut jouer avec la vie de quelqu'un de réel et se l'approprier comme quelqu'un de fictif, quoi. Voilà. Est-ce que dans l'écriture de Ravel, vous aviez un livre ou un auteur qui pouvait servir de repère par rapport à ça, précisément par rapport à ça? C'est vrai que je pensais, toute proportion gardée d'ailleurs, mais je pensais à un auteur espagnol dont je sais qu'il aime beaucoup vos livres, parce qu'il nous l'a dit ici d'ailleurs, je crois, il y a quelques années de ça, qui s'appelle Enrique Vila-Matas, oui, que vous connaissez certainement. Oui, oui. Mais je ne tiens pas absolument à vous dire oui, Enrique Vila-Matas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut servir de... Et Vila-Matas, il fait beaucoup ça, oui. Mais je crois qu'il le fait différemment. Tout à fait. Oui. Il le fait différemment, parce que Vila-Matas, il est... D'une certaine manière, il est... Enfin, je n'ai pas lu tout Vila-Matas, mais j'en ai lu pas mal. Mais si j'ose ce néologisme, il est... fictionnalise immédiatement toute la constellation d'écrivains, surtout, dont il parle. En plus, moi, j'aimerais pas parler d'écrivains, ça me rase, les écrivains. Mais enfin, c'est pas vrai, ça pourrait ne pas me raser, mais spontanément, en ce moment, je préférerais Roger Lanzac. Mais Mais non, parce que je crois qu'il a une liberté qui est plus grande que celle que je m'autorise, d'une certaine manière, parce qu'il se promène autrement dans l'histoire de la littérature que je ne saurais le faire ou que j'aurais envie de le faire. Mais des modèles comme ça, des modèles de textes un peu d'ordre romanesque sur des personnages réels, non, j'en vois pas. Je n'en vois pas. Alors je vais la poser différemment. Souvent, quand on pose la question du roman à un de vos excellents confrères, Patrick Modiano, il fait part de sa grande amertume en disant que pour lui, le romancier absolument définitif, c'est, et je crois que vous avez ça en commun en termes d'approche, c'est Robert Louis Stevenson. Il dit que dès qu'il commence un livre, il voudrait écrire L'île au trésor, pour ne pas dire le maître de Ballantrae, qui faisait plus destiné. Et puis qu'à l'arrivée, bah, il écrit un livre de Patrick Modiano, ce qui, moi, me va bien, mais ce qui, lui paraît être quelque chose comme un échec. Est-ce que, vous vous sentez proche de ça, ouais, de ça? Ce qu'on fait, c'est de toute façon toujours un pis-aller. Hein. Bon, même si, à la fin, au bout de... au bout d'un certain nombre de versions du même texte, on a l'impression qu'on ne peut pas avancer plus, qu'on a enlevé tout ce qu'il fallait, qu'on a surtout enlevé tout ce qu'il fallait, qu'on a ajouté des petites choses et que de toute façon on ne peut pas avancer plus. Oui, c'est un pis-aller. C'est un pis-aller, même. C'est pour ça qu'on se... Enfin, c'est pour ça que moi, je relis jamais ce que je fais, parce que ça serait être devant ce constat de pis-aller. Bon. Mais bon, je me souvenais en effet que Modiano avait dit ça. Mais de façon très différente, oui, Stevenson est un modèle absolu. Je crois que les deux... Enfin, il y en a beaucoup des modèles, mais les deux plus grands modèles, ça serait Stevenson et ça serait Joseph Conrad. C'était d'ailleurs pour moi un petit exercice de plaisir, oui, de plaisir dans le Ravel, là, d'écrire une scène avec Conrad. Qui, elle, est totalement imaginaire. Qui, elle, est totalement imaginaire. Parce que, en fait, c'était ça le compliqué, la chose un petit peu compliquée du travail, qui illustre un peu ce que je disais, si tant est que tout ça ait le moins d'intérêt, c'est que, voilà, que Ravel ait rencontré Conrad, on n'en est pas sûr. Son biographe officiel dit non. L'un a donné à l'autre une cartouche de cigarette, ça s'est arrêté là. Bon, un autre biographe américain de Conrad dit oui, il y a eu une rencontre. Bon, un autre troisième biographe dit il y a eu deux rencontres et la deuxième était avec Paul Valéry. Bref, on ne sait pas. On ne sait pas, et moi je me suis dit que il était matériellement possible qu'ils se soient rencontrés, donc sachant en plus que ils avaient un ami commun qui était Jean Aubry, qui était le traducteur de Conrad et qui était par ailleurs un ami proche de Ravel. Il y a des photos de tous les deux, enfin bref. Donc à partir de là, j'ai construit une rencontre en tenant compte de ce que je savais un petit peu de la personnalité de l'un et de l'autre, pour avoir lu des biographies de l'un et de l'autre. Voilà. Alors on parle beaucoup, c'est bien, très bien, ça nous change de Roger Lanzac, on parle beaucoup des décors, des lieux, on dit oui c'est votre premier roman basé sur des personnages réels, curieusement on fait moins référence au fait que c'est votre premier livre, avec tous les guillemets d'usage, historique, se passant dans une époque qui n'est pas vaguement contemporaine, si j'ose dire, ce qui est le cas de vos livres précédents, me semble-t-il. Et ça, à la lecture, on a l'impression qu'il y a chez vous, dans la description de ces années-là, de ces 10 ans-là précisément, c'est-à-dire entre... 27 et 37. Entre 27 et 37, il y a chez vous quelque chose qui relève d'une certaine forme de jubilation. Ça ne semble pas avoir été une épreuve. En tout cas, ça n'en est pas une pour le lecteur, vous l'aurez compris. C'est-à-dire que Ça, arrêtez si je radote, mais je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, ça c'était le tout premier projet, c'est-à-dire que j'avais, bon, j'ai écrit, je sais pas, j'avais écrit 9 romans qui se passaient tous dans le temps où je les écrivais, c'est-à-dire que mon premier livre, je l'ai écrit en, je sais pas, 77, ça se passait en 77, je sais pas, paraît en 91, c'était écrit en 91, enfin, bon. Et de ça, j'ai eu envie de couper un peu. Et donc, le premier mouvement qui a donné lieu à ce livre, c'était que j'avais envie de me trouver dans un temps que je connaissais pas, dans un temps qui m'intéressait, qui était l'entre-deux-guerres, qui est un temps noir et blanc, qui est un temps étrange et un peu inquiétant, qui est un moment d'effervescence de toutes les créations, qu'elles soient musicales, picturales, littéraires, où tout ça se bouscule, où industriel aussi, si vous industriel, évidemment, et où c'est un moment où tout ça se bouscule et où on voit André Breton qui croise André Gide. Enfin, je veux dire, bon, chacun dans son ridicule particulier et puis dans son sublime spécifique. C'est-à-dire, c'est un moment très curieux. Et je voulais écrire quelque chose qui se passerait à cette époque-là et avec des personnages, en mêlant des personnages réels à des personnages de fiction. J'avais un personnage de crapule qui me plaisait assez, que j'avais trouvé dans un livre sur cette époque, et c'est là que le petit, je dis petit parce que c'est 1m61, hein, et que le petit Maurice Ravel est entré en scène, et je me suis dit, je vais l'utiliser aussi. Et puis, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il a vraiment pris toute la place.